Une grande partie des Canadiens vivent d'une paye à l'autre, c'est ce que révèle un sondage de l'Association canadienne de la paye. Cette étude, faite auprès de 5600 répondants, démontre qu'environ la moitié de ces participants auraient de la difficulté à remplir leurs obligations financières si leur chèque de paye était reporté d'une semaine. Les Canadiens gèrent-ils bien leurs finances personnelles? J'en ai parlé avec Nicolas Boivin. Il est professeur titulaire au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Voici sa réaction. Ben, écoutez, il y a beaucoup de chiffres dans cette étude, mais il y en a deux qui me frappent plus particulièrement. Essentiellement, on dit là-dedans que dans l'étude que 40% des gens vivent de leur paye semaine à semaine puis ne pourraient pas se passer de leur paye d'une semaine à l'autre. Donc 40%. Et l'autre chiffre qu'on dit, c'est que 47% des gens qui dépensent la totalité de leur paye ou des fois même davantage ou réussissent à épargner un maigre 5% de leurs revenus ou moins. Donc, si on additionne ces deux chiffres-là, 40% plus 47% qui sont dans ces situations-là que je viens d'énumérer, ça fait un chiffre très impressionnant de 87% des gens qu'on pourrait appeler qui ne sont pas de grands épargnants ou qui ont besoin de leurs revenus là, à chaque semaine, ce qui est somme toute énorme. Comment on explique ça? Ben, il y a de multiples causes. Une des causes que je crois voir, percevoir, c'est le piège de l'endettement facile. Les gens confondent souvent des occasions d'emprunt avec leur capacité de consommer. Il faut savoir que la capacité de consommer pour les gens, elle doit être établie par un budget. Il faut que les gens se fassent un budget rigoureux et suivent évidemment ce budget-là. Et si je vous donne un exemple, si à l'aide d'un budget rigoureux, on arrive à la conclusion qu'on peut s'acheter une maison de 200 000 $ et qu'après ça, on arrive à la banque et on nous propose un emprunt ou on nous dit qu'on peut nous offrir un prêt hypothécaire pouvant aller jusqu'à 300 000 $ Mais cette information-là ne change en rien l'analyse rigoureuse budgétaire qu'on a faite qui nous dictait l'achat d'une maison de 200 000 $ Il ne faut pas tomber dans le piège de s'acheter une maison de 300 000 $ Donc, dans le même esprit, si avec un budget rigoureux, on arrive à la conclusion qu'on doit consommer 2000 $ par mois pour l'épicerie et les besoins quelconques de la maisonnée, c'est pas parce que des émetteurs de cartes de crédit peuvent nous offrir une occasion d'emprunt sur des cartes de crédit qui totalisent 5000 $ par mois que tout d'un coup vient de prendre naissance un 3000 $ de plus de capacité de consommer. Donc vraiment, là, toute la capacité de consommer des gens doit provenir de la budgétisation, donc d'un budget rigoureux. Au besoin, on se fait aider par des gens de notre entourage si c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire pour nous. Et surtout, une fois cette information-là établie, il ne faut pas se laisser influencer par les occasions d'emprunt que les différentes personnes qu'on va visiter vont nous offrir. Diriez-vous que c'est un phénomène nouveau ou que ça a toujours été le cas? Ça a toujours été le cas, mais ça va en augmentant parce que, les compagnies qui vivent des institutions financières et autres compagnies qui vivent du fait qu'ils vous font des emprunts et qu'ils vous font payer des intérêts sur ces emprunts-là, c'est leur revenu, c'est leur principale source de revenu. Donc, on ne peut pas leur en vouloir d'être imaginatif pour vous proposer des occasions d'emprunt supplémentaires le plus régulièrement possible. Et pour un financier qui vous fait des occasions d'emprunt, son souci, c'est pas votre capacité de consommer. Lui ne connaît pas votre budget, ne connaît pas votre situation, puis même si c'est parfois... ça porte à confusion. Le message qu'il vous lance, c'est pas de vous dire que vous êtes capable de consommer ce montant-là, mais plutôt qu'il est capable de vous le prêter. Je sais que tout ça porte à confusion, mais pour lui, sa priorité, c'est de vous prêter le plus d'argent possible en sachant que vous allez lui payer des intérêts, puis en courant un minime risque pour certains emprunts, il y a des faillites à la limite. Pour lui, ça fait partie de son entreprise. Donc, c'est pas lui qui va vous dicter. Il ne faudrait pas que ce soit lui qui vous dicte votre capacité de consommer, encore une fois. Monsieur Boivin, comme par exemple, vous parliez tout à l'heure de cartes de crédit, d'augmentation, de la marge de la carte de crédit. Est-ce que l'on devrait, à ce moment-là, constamment refuser? On n'a pas besoin d'avoir une marge de crédit de 20 000 $ Avec 10 000 $ on peut s'en sauver aisément. Absolument. Une fois qu'on a pris acte de ce conseil-là dont on est en train de discuter, il faut se prémunir. Il faut se prémunir. Et à peu près toutes les occasions d'emprunt qu'on nous propose, il faut les refuser. Ce n'est pas un cadeau de s'en faire une occasion d'emprunt, d'autant que si on n'en a pas de besoin, parce que ça excède
notre capacité de consommer qu'on aurait établie par budget. Et ça fait juste nous tenter puis nous faire aller vers de la surconsommation d'un montant d'argent qui ne nous appartient pas. Vous comprenez que si on a décidé qu'on allait consommer 2 000 $ avec un budget, qu'on nous propose une occasion d'emprunt de 5 000 $ sur des cartes de crédit, bien le 3 000 $ excédentaire que je consommerais si je tombais dans le piège, c'est pas mon argent, c'est pas de la nouvelle richesse, c'est pas des nouveaux revenus qui sont tombés du ciel. C'est un problème que je repousse parce que je vais devoir redonner ce 3 000 $-là que j'ai consommé en excédent de ma capacité de consommation que j'avais budgétée, sans compter les intérêts que je devrais payer sur toute cette durée-là d'emprunt excédentaire. Bon, M. Boivin, est-ce que vous avez des conseils, je dirais, là, pour mieux gérer son portefeuille? Quelles sont les dettes à éliminer le plus rapidement possible? Bien, en ce qui concerne les dettes, c'est assurément... Le critère de priorisation des dettes à régler, c'est le taux d'intérêt. Donc, il faut régler les dettes où les taux d'intérêt sont les plus élevés en premier et dans un monde idéal, on les réglerait toutes, bien sûr, mais oui. Étirer en conservant jusqu'à pour comme dernière dette à payer, celle où le taux d'intérêt est le plus faible. Autre conseil que je donnerais aux gens, je reviens sur l'importance de la budgétisation. En 2015, il y a l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, l'ACFC, qui a fait une étude bien simple où il y a deux chiffres qui ressortent. Dans l'ensemble des Canadiens, il y a 46 % des gens qui font un budget. D'accord? Donc, 46 % des Canadiens font un budget. Si j'isole ce sous-groupe de Canadiens, là, les 46 % qui font un budget, à l'intérieur de ce sous-groupe, ils sont 93 % à suivre leur budget. Ce que ça veut dire, c'est qu'un budget, ça fonctionne. Si on fait partie du groupe de 46 % des gens qui font un budget, bien, la statistique démontre que dans ce groupe-là, à peu près tout le monde le respecte, son budget. Et malheureusement, si on fait partie de l'autre sous-groupe, 54 % des gens qui n'en font pas, bien évidemment qu'on est dans une situation difficile, on ne peut pas suivre un budget qu'on n'a pas fait. Donc, peu importe le niveau de revenu qu'on a, peu importe le niveau d'endettement qu'on a, la clé, c'est de faire un budget. Parce que c'est lui qui va dicter notre capacité de consommer. Et malheureusement, je pense que souvent, les gens, parfois inconsciemment, préfèrent ne pas faire de budget parce que ça les met un peu devant leur réalité et ça les force à réduire leur consommation, à réduire leur niveau de confort. Mais de façon consciente et rationnelle, si on fait un budget, on va le suivre puis on va arriver à de bien meilleurs résultats. Nicolas Boivin, professeur titulaire au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières.